Welcome to the Math Computer. Please wait while the video loading. Salut à toutes et à tous les amis, c'est MathKiller et on se retrouve sur la suite de notre aventure de Dungeon Siege. Et oui, et d'ailleurs j'ai oublié de mettre le timer, encore une fois, on ne change pas les bonnes habitudes. On ne change définitivement pas les bonnes habitudes. Donc rappelez-vous, je pense qu'on était sur le point de sortir. Et si je ne suis pas sorti la dernière fois, c'est parce que je pense aussi qu'on est sur le point de se foutre sur la gueule avec un autre boss. Vous savez, à chaque sortie de truc, un boss est con. Et je suis certain qu'on va se taper un boss, donc hop, j'étais pas sorti. Donc voilà, on démarre le timer, ça va aller beaucoup mieux. On est toujours aussi beau gosse, hein. Ouais, qu'est-ce que je suis beau et tout. La magnificence même, quoi. Bon alors, bref, on s'en branle. Et hop, on remet le jeu en... on est parti, donc. Quelqu'un appuie sur le bouton. Et non, c'est un méga fail, il n'y a pas de boss. Et bah tant mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Ah bah c'est cool, il y a même la place pour ramener une saloperie de Dan. Alors j'ai baissé le son parce qu'on m'a fait remarquer que ma voix était pas assez forte par rapport au jeu. Sentiment que je partage aussi, donc j'ai baissé un peu le son. Mais vous inquiétez pas, les jours où je serai fatigué, je remettrai le son plus fort pour éviter d'entendre de la merde. Voilà, donc nous sommes sortis comme des grosses bêtes, c'est génial. Enregistrement automatique, je sais pas si ça sent bon ou mauvais, mais un enregistrement auto à la sortie de ça, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Alors, c'est chiant, j'aimerais bien pouvoir ranger ça sur les côtés là, parce que... Donc les mines de Glitter d'Elf, par là c'est Glacerne, donc on va aller à Glacerne, je vous rappelle. Mais avant, faut traverser évidemment, voilà. Donc t'as l'air sympa, toi. Mais poudre explosive, ça marche bien, putain de Sarah, c'est cool. Ouais, essaye de grimper par là, peut-être qu'il y a quelque chose. C'est bizarre que ça monte tout seul ici, que... Glacerne, c'est vers le bas, donc ici, c'est amené à... Ouh là, des gros démons. Ouais, c'est de la merde, hein. Ça me dit bien. Voilà. C'est tout sur la gueule, c'est joyeux, hein, c'est une bonne petite fête. Une bonne grosse marade, là, c'est cool. Ouais, vous serez gentil de reprendre ça. En fait, je balance des bombes, je sais pas si vous regardez. En fait, le mec il balance des bombes. Oh putain, mon nain. Ouais, là on est très bon. Oh, niveau 9, c'est bien, c'est en fait à niveau 10. Oh putain, des gants de cuir unique. Ramasse-moi ça. 142 pièces d'or, tu ramasses aussi. On va passer ici. Ah bah ouais, ça marche bien, ça fait des dégâts de zone en fait. Ah, je savais pas que ça faisait des dégâts de zone. Ça. Enfin, en même temps, ça paraît logique, mais. Ouais, c'est cool. Connasse. Ok, donc ici il y a une petite maison à la con. Hein. Je sais pas trop ce que c'est exactement comme demeure. Mais putain, qu'est-ce que tu me prends là, toi? Cop sur le côté, magnifique. Il y a des bottes très rares. Alors je sais plus si brun c'est unique ou pas, je vais vous dire ça tout de suite. Alors là il y a bottes d'action brillante, ajoute 7 en armure, 15 points de santé, 26 de mana, 1 point de combat à distance. Et bah putain c'est pas de la merde. Alors gants de cuir 2, refuge, défense 4, nécessite 15 de force, ajoute 15 points de santé, 12 points de mana, enlevé. Ok. J'ai mon truc dis donc. Vivement que j'ai 15 de force avec ce personnage aussi. Il faudrait peut-être que je le fasse rebattre normalement. Alors. Ah. Voilà. Ensuite, voyons voir. Est-ce que je. Tu portes quoi? Ajoute 6 en armure, 12 points de santé. Ouais. Ouais. Botte en cuir clouté, défense 3, nécessite force 13. Donne ça à Lan plutôt.
Choc magie naturelle, tu vas mettre ça là, voilà. Et puis, voyons voir ça. Hache droite de déchaînement de 23 à 30. Ajoute 2 points, dégâts maximum. Et bah écoute, tu vas te faire plaisir. Voilà. Les gants de cuir bouillis. Ouais, pour l'instant, je laisse les gants de cuir rouillis du renard. Par contre, j'ai la vivacité qui permet d'ajouter de la dextérité. Peut-être que je laisse à Ulora. Voilà. Ah, tu l'as déjà. C'est boule de feu en même temps, tout le monde là, cette putain de sort là, chez mes compagnons. Alors, bottes d'action brillantes, voyons voir, tu as quoi, t'as les bottes de cuir rigides, 13 en armure. Alors là, j'ai 7 en armure en plus, pour défense 7, défense 3. Oh putain, bah, voilà, c'était vite fait. Du coup, tu vas peut-être filer ça au nain, voilà. Et le nain qui a de la grosse merde par rapport à ça, voilà. Tu vas filer ça au mec qui est là. Lui qui a déjà des bottes pour lui jeter de l'intelligence. Par chemin naturel de résurrection. Rage, magie de guerre, sphère de feu, ramener à la vie, ok, bon, ça me branle. Et puis, bah écoutez, on a l'air bon pour l'instant. On a l'air putain de bon, donc c'est cool. Ok, il y a une toile, on s'en branle, la masse d'armes, pareil, allez hop, on y va. Non, à mon niveau, faut que j'essaie d'avoir des armes plus puissantes que ça, parce que sinon, je vais en chier assez rapidement. Hein. Donc... Je me suis pété le coude, c'est magnifique. Alors, on y va. Je sais pas si ça s'est entendu, mais je le précise quand même, c'est que je me suis juste pété le coude, en fait. Alors, donc par ici, j'imagine, hein, si je suis pas trop con. Donc, glacerne, visiblement, c'est indiqué par là. Hein. Oh, des loups! Ah, effectivement, c'est les dégâts de zone qui bougent autour. C'est chouette. Ça marche bien. Donc j'ai pas vu qui était passé à quel niveau là, il est où mon truc de texte là? Normalement j'ai un truc... Est-ce que c'est T? Non, T c'est pour enregistrer je sais pas quoi, ok. Il fait enregistrer de la merde en boucle en même temps derrière, que ça va être magnifique. Donc j'en ai rien à secouer. Ouais, s'il y a rien. Je vais avoir un vieux truc au format WMA derrière là, j'espère. WMV pardon. Ce que je me fais, mais ça va être un format de merde en fait. C'est la version Windows de base. Mais ouais, c'est bon à savoir en fait qu'on pouvait enregistrer de base à l'époque déjà. Ah, vous voyez, ça rajoute un petit plus déjà pour le jeu à l'époque, qu'on puisse enregistrer le jeu comme ça. Ça permettait de partager. Parce qu'il faut savoir qu'en 2001, il y avait pas, il me semble pas qu'il y avait encore YouTube à cette époque-là. Et ça passait sur. Ça passait via d'autres réseaux. Donc ça permettait de partager un peu ces trucs. Oh, j'ai un Kraoul qui m'attaque derrière. Un Clo, pardon. Kraoul, je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'était rigolo quand même. Un Kraoul. Ça fait penser au dragon. Le Graouli. Je sais plus si c'est le dragon de Metz, je saurais plus vous dire. Je suis un gros fanat de dragon, donc j'en connais un petit peu. Au niveau des légendes sur les dragons. Ah ah. On se fait attaquer par des salopards. Oh là là! C'est génial! Tiens, bouffe-toi ça dans ta gueule! Bouffe-toi celle-là, salopard! Voilà, tiens! Mange-toi une bombe! Et voilà, j'atteins le niveau 8 des sorts de magie naturelle! Fais-moi rêver un petit peu, mon garçon, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Rien de plus! C'est... Ah si, tu peux faire. Non, tu peux rien faire de plus en fait. Ouais, c'est de la merde en fait. Tu sers à rien. Là. Vivement que je trouve des sorts de dégâts de zone comme ça. Ça peut être super sympa. Plus puissant en fait. Et si possible, j'aimerais bien avoir plus de mana. Donc à la limite, il faudrait que je trouve vraiment un vrai mage. Un mec qui a plein de mana. Parce que moi, c'est pas mon truc quoi. La mana. Si on regarde la mana, j'en ai 141 maximum. Ça me fait 2 sorts quoi. Super. Enfin, pas avec celui-là, mais si je prends celui-là, c'est exactement. Voilà! Voilà! Tiens, bouffe-toi ça dans ta gueule! Voilà! Oh mon dieu, il y a des enfants qui peuvent regarder. Je suis vulgaire. Excusez-moi, les enfants. Vous qui êtes si poli et si gentil. Oh. Je pense que je vais le générer. Alors.
Des gants en cuir clouté magique. Bah, ça peut pas être utile. Alors, c'est ça, c'est parti. Ah, il en reste un ici tout caché. Il est plus là. Donc, Kantia ramasse ça. Kantia ramasse ça. Ramasse ça, merci. Et ça aussi. Alors, on va voir. Les gants en cuir clouté magique. Cela. Rue du renard. Nécessite blablabla. Blablabla. Non, c'est pas ce qu'il y avait déjà, ça. Peu importe, de toute façon je ferai un tri au moment où j'irai à Glacern pour vendre des trucs. Il faut savoir que la vidéo de Stonebridge, je sais pas si vous vous en rappelez, mais Glacern ça va être la même chose. Hein. Hop là. Oh, j'ai plus de ça, c'est pas fou. Regardez-moi ça, côté dégâts de zone, c'est génial! Je savais pas qu'il y avait des dégâts comme ça. Que tout le monde boive une potion! Voilà. Alors. Alors, viens voir, qu'est-ce qui se planque par ici? Peut-être se cache-t-il encore d'autres loups? Ou autres. Lupus. Alors, Caninus, je sais pas quoi, Lupus, blablabla. Donc on est à combien de temps de jeu au fait? Je n'ai plus le timer sous les yeux. 10 minutes, oh, ça va. On est tranquille là. Avec l'épée magique ici, l'épée magique à côté. Donc c'est par ici j'imagine, hein. Attends, il y avait un passage par là. Peut-être quelque chose que je n'aurais pas vu. Ah, j'ai peur. Alors ensuite, venez voir. D'accord. Allez par ici. Attention, il va se rapprocher. Allez, continue par ici. Il n'y a rien. Il y a définitivement rien. C'est le vide total intersidéral au niveau de la neige sur l'Himalaya. Alors. Avec la cerne, pardon. Attention. Ça sent le piège. Oh là là. C'est génial. Cette paix est celle sur laquelle se battent tous les grands guerriers. Regardez un peu, moi, c'est vraiment le bordel. Il y a 50 mecs qui dansent des trucs sur la gueule. C'est des braques. Et bah, moi j'ai envie de dire qu'ils sont des braques assez. Qu'est-ce que je suis drôle! ouais, dites-moi ça, ça peut être ça. Voilà, hop. Voilà. Et je vais ici vers Glacern, toujours. Donc il faut suivre le panneau. Panneau à la fois magnifique et fulgurant, indiquant la direction à suivre. Oh, oh. Dis donc, tu me rappelles Star Wars, toi? Vous savez, le mec, le monstre qui a chopé Luke dans Star Wars, j'ai plus l'épisode 5, je crois. Oui, c'est l'épisode 5. Hop. Ils vont faire un épisode 7, les cons. Non, j'arrive pas. Je peux pas aller plus bas. Oh, il y a du peuple ici, putain. C'est cool ça. Alors voilà, on a quand même du changement au niveau des grottes. Là, ça change. Tout le temps sous terre, c'est cool. Mais là, on est vraiment dans un truc assez joli. C'est un beau décor de glace. Bon, un beau décor de glace. Tout est relatif, hein. Cela va sans dire. Le home d'Olaf. Ok. Je crois que c'est pas la première fois que je trouve le même home. Le mec, il avait 50 homes à lui tout seul. C'est ah, c'est mon home à moi, c'est le home d'Olaf. On trouvait ça rapidement et tout. Partout dans le monde. Le mec, il s'est baladé partout dans le monde et tout. Il s'appelait toujours Olaf. C'est marrant parce que Olaf, ça me rappelle Bob Lennon au début quand il parlait de. Des mecs dans Skyrim. Et les bonnes gueules d'Olaf, dans le truc. Mais je trouve que ça tient mieux sur Oblivion. Ils ont vraiment de sale gueule dans Oblivion. Ah ah! Bouffe-toi ça dans ta gueule, monstre! Ah, regardez, c'est rigolo, en fait la bombe est rebondie en fait, tant qu'il fait pas rien. Putain, le nain il prend trop cher. Je sais pas si vous voyez là, mais. Effroyable Furok! Oh là là! Furok, le tueur des dinosaures! Non, il y en a un autre ici! Tiens, pouf la bombe!
Ah là là, vite! Un coup de napalm dans la gueule! Ah ouais, l'intelligence de Guillaume vient d'augmenter pour une raison qui m'est tout à fait obscure, mais c'est quand même monté, oui! Le mec il tape dans la gueule de tout le monde, je pense que l'intelligence c'est au niveau de l'anatomie des gens pour savoir où est-ce que tu tues plus rapidement. Je veux que tout le monde vienne ici plutôt que se battre à 50 km des autres. Allez, butez-moi ça. Vous avez bien peu mes bombes rebondissent quoi, c'est génial. Un bâton en acier, hein. Prends, on sait jamais. Je sais pas ce que ça vaut. Oui, il y avait encore de l'or là, j'ai vu. Non, il y avait encore de l'or, j'ai vu de l'or. C'est pas juste. Un arc magique que j'en ai rien à secouer. Je sais pas si je suis très très proche. Je crois que je suis pas très loin de la cerne. Ok, allez, je vais prendre l'arc et le bâton et je vais les mettre sur l'âne. L'arc magique, arc glissant de minuit, gna gna gna. Faible vitesse d'attaque, nécessite dextérité 14, c'est de la grosse merde. Bâton de tromperie. Un point de santé volé par coup. Ça aussi c'est de la merde. Bâton en acier, intelligence 17, 31 à 39, vitesse d'attaque plus faible. Ouais. C'est inutile. Bon. De toute façon, tout ce que j'ai mis quasiment sur la mule sera à revendre. Hein. C'est à ça que me sert la mule en fait, c'est vraiment là juste pour vendre des trucs quoi. Regarde l'autre là, il balance des bombes. Allez, attends, j'ai balancé ma grenade dans la gueule, pouf. Et en fait, je dis bombe depuis tout à l'heure, mais c'est plus une grenade qu'une bombe. Encore des arcs, putain, mais t'es sérieux là? Un au combat à distance, un au combat à distance, ok, donc c'est des arcs glissants, ok. Donne celui-là à Ulora qui est spécialisé pour ça, voilà. Donc voyez voir par ici, est-ce que j'ai visité? Non, j'ai pas été voir par ici, mais ce qui me semblait, j'ai pas jeté un oeil. Oh putain, il y a du peuple là. Oh, oh, oh. On va s'amuser. Trolololo. Il y a un peu une grenade dans la gueule, c'est suffisant pour tout ce que c'est énorme. Mec, ça peut être bien que tu montes aussi. Rejoindre tes compagnons, tu vois, je sais pas. Faire un truc plutôt que rester en bas. Ah, fallait bouffer ça dans ta gueule. Alors, ce qui pourrait être rigolo, c'est qu'en fait, les dégâts de zone touchent aussi les alliés. Et ça veut dire que je buterai mes propres compagnons, ce serait juste d'enfer. Hop, donc ça c'est fait. Hop. Allez, tout le monde, on ressort de cette grotte qui sert strictement à rien à part se faire des couilles en or. Ce qui en soi est déjà pas mal, hein. C'est tout à fait louable comme intention pour une grotte de faire des couilles en or. Et il y en a d'autres ici, c'est magnifique. Hop, voilà, c'est fait. Je m'amuse bien, hein. C'est rigolo. Le coup des dégâts de zone, c'est quelque chose que j'ai pas noté dans la France, en fait. C'est assez sympa. Hop, alors, on se barre de cette grotte. Non, c'est pas par ici, putain. La sortie se trouve par là. Rien par ici, donc la sortie c'est par là de toute façon. On a combien de temps? 17 minutes 30. Wow, ça passe vite quand on s'amuse. Oh, il y a du monde. C'est rigolo parce qu'au final j'ai une attaque de dégâts de zone et une attaque. Qui en gros ferait Uffice, ouais. Office de fusil à pompe. Uffice, nom de Dieu, je crois que ça m'était jamais arrivé de dire un truc comme ça. Oh, un vilain crowd, un clou. Un clou ténébreux. C'est un beau clou ténébreux. Ah, j'ai mon cheval qui s'est fait attaquer. Oh, il tiendra pas longtemps. Putain, je m'en branle, tu n'utilises pas plus de mana, toi, attaque-les. T'es là pour ça, le but c'est que la mule survive là. Hein. Ouais.
vache, j'ai eu peur qu'elle crève, regardez à combien elle est la vie de la mule. C'est qui a main curative, c'est toi? Tu vas faire main curative sur la mule, s'il te plaît. Non, non, non. Encore. Encore. Encore, sur elle aussi, tiens. Encore. 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 Voilà. Comme quoi, avoir un petit personnage de merde comme ça peut parfois être pratique pour utiliser ce genre de sort. Donc, ça... Un marteau tout à fait useless. Hein. Petite potion de santé, non, on s'en branle. Donc, bon, bah, c'est parti. Oui, j'utilise main curative sur la mule parce que il me semble pas que les potions marchent sur elle. Et quand bien même, hein, merde, c'est qu'une mule, ça se mange. Alors, je doute qu'on puisse la manger dans le jeu. C'est un truc qui m'a toujours fait bizarre, ça, c'est que dans plein de jeux, on peut pas manger de cheval, c'est pas logique. Je veux dire, dans Oblivion, j'attends les chevals, hein, c'est arrivé dans Skyrim. Putain, le cheval, ça se mange, hein. Demandez à Attila le 1, il est bouffé ses chevaux. Hein. Touk touk touk. Bon, putain, c'était Attila, quoi. Ok. Ah! Ah, ils sont tous planqués dans un arbre invisible, c'est pas trop cool. Certainement l'igou des loups. Ouais. On va avancer jusqu'à ce que je trouve de la cerne et puis après j'arrêterai la vidéo ici, donc on y est je crois. Ouais, il a commencé à y avoir des traces de civilisation, donc on a pu être très très loin. Sachant que j'ai buté deux boss en plus entre temps sur la route. Je doute qu'on soit vraiment très éloigné. Oh. Oh là là, il y a un clos aussi. Touchez pas ma mule, bande de bâtards. Retournez tous sur Kaza, bande de cons. Merde, ça n'existe plus Kaza. Autant pour moi. C'était bien Kaza à l'époque. Pour ceux qui se rappellent, un petit moment nostalgie, Kaza. Donc, ouais. Ouais, je vais parler vite fait aux gardes et puis la prochaine fois on fera un petit tour autour de la ville. Voir si je peux trouver d'autres compagnons, un truc comme ça. Donc bah voilà. Notre héros émergea des contrées reculées pour porter un message d'avertissement aux gardiens. Et il émanait de lui un esprit fortifié, prêt à endurer les dures tâches à venir. Eh oh, j'ai rien dit, moi. J'aimerais bien être peinard aussi. Ne pas avoir à me battre tout le temps contre 50 000 démons. Alors, bon, bah... Les amis, on va s'arrêter ici. Je crois qu'on arrive à nos 20 minutes qui sont largement dépassées. De 2 minutes, largement, donc... oui, donc les amis, on s'arrête ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sous la vidéo. Moi, je me suis bien amusé et je vous dis à plus tard.